Merde! Comme ça, c'est dit, voilà, comme ça, on pourra dire que de la merde pendant le jeu, c'est parfait. Bon, salut tout le monde, c'est X-Rouge et bienvenue pour ma vidéo de présentation du jeu Payday 2. Je suis en compagnie de Funker Sam et de Blogor. Salut les gars! Salut. Bon, tout d'abord, voilà, je tenais à préciser que comme Payday 2 est un jeu qui est orienté multijoueur, on a décidé d'abord de vous préciser, de vous citer les différents points du jeu, parce qu'une fois qu'on sera dans sa mission, on sera plus occupé à s'occuper de nous-mêmes, quoi, parce qu'il faut vraiment s'en sortir. C'est un jeu qui s'accentue énormément sur la communication. Je rappelle juste le béaba, il est édité par 505 Games, développé par Overkill, il est sorti le 16 août 2013. Le 13 août sur PC, voilà. Il est déconseillé au moins de 16 ans. Et bon, mais pour ma part, j'ai tout dit parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un gros niveau de merde. Oui, c'est moi le niveau 8 qui est pas du tout blindé comparé aux deux autres là. Avec un niveau 29 et 33, bon, moi j'ai choisi des joueurs d'expérience, tant mieux. Blogor, donc, t'es la première personne avec qui j'ai fait un mode online dans ce jeu. Est-ce que tu pourrais nous dire ben, en quoi consiste le jeu déjà à la base? Donc ça va être va falloir donc, tout ce qui, récupérer tout ce qui est un max d'argent tout en subissant les hordes de policiers acharnés en fait. Ouais, on va subir Et des vagues, quoi. c'est ça, on va subir des vagues et voilà, pendant ce temps-là, il va falloir vider donc enfin remplir des sacs d'argent, les charger dans les camions et faire ça le plus vite possible en fait. D'accord, donc après, Et... comme les viewers peuvent le voir, en fait, il y a des niveaux de difficulté. Moi, je vois 10 étoiles en bas. Tu as apparemment choisi un niveau qui comporte 6 étoiles sur 10, donc je vais pas mal en chier de mon côté. C'est ça. Je sais que, donc voilà, il y a différents styles et classes. Est-ce que tous les deux, vous pourriez me citer quel rôle vous allez jouer dans la partie que l'on va orchestrer? Pour moi, j'ai choisi donc technicien. Donc technicien, lui, c'est tout ce qui est les atouts pour le perçage et l'efficacité de perçage plus rapide, pour pouvoir poser des mines, par exemple. Je peux aussi poser une tourelle par exemple. Assez pratique contre les assauts en fait. Donc Voilà, en c'est gros ça va ça. être ouais, un style de bloqueur qui va pouvoir aider le groupe dans l'ensemble quoi. Et Voilà. Ça... toi de ton côté, Sam, toi tu fais quoi? Moi je suis plutôt un exécuteur en fait, donc je vais avoir des sacs de munitions pour pouvoir ravitailler les collègues. Et D'accord. ensuite de ça, je vais être beaucoup, je vais pouvoir encaisser pas mal de dégâts tout en rechargeant assez vite, en récupérant mon bouclier, bien sûr qui se recharge à chaque fois assez vite. Et en plus de ça, pouvoir aussi faire pas mal de dégâts D'accord, ok. avec le fusil de chasse. Voilà. Bon, je rappelle C'est alors l'homme de fer en gros en fait. à... Ouais. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y a en tout en fait quatre classes dans le jeu, les deux qui ont été citées. Il y a aussi fantôme et cerveau. Donc moi j'ai choisi le côté le poste cerveau. Donc c'est Cerveau. ce qui va être le médic en quelque sorte, si j'ai bien compris. On peut le voir dans C'est mes ça, voilà, c'est ça. compétences. Voilà, je peux soigner. Enfin, je le montre là, je viens d'afficher les compétences. Vous ne le voyez pas, mais voilà. Je peux régénérer plus rapidement, poser des caisses de soins au sol. Bon, le fantôme, on va pas s'y attarder vu que là, bon, les trois, on est présent sur ces classes-là. Donc voilà, beaucoup de gens posent des questions, j'ai vu sur les forums, ils ne savent pas à quoi servent par exemple les cartes, les trois cartes que l'on a à la fin du jeu. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi ça consiste, ces fameuses cartes? Alors, les cartes, ça va permettre donc de débloquer tout ce qui est donc masque, par exemple, un masque aléatoire, tout ce qui est couleur du masque, les motifs qui vont être sur le masque, la couleur du masque, donc pouvoir faire déverrouiller puis acheter donc ce qu'il faut pour faire le masque. Déverrouiller aussi les équipements des armes, parce qu'il n'y a que Ouais, comme les ça qu'on peut pièces. les débloquer. Et après pouvoir l'acheter pour l'équiper. D'accord, très Donc bien. déjà il faut d'abord l'avoir tiré dans les cartes pour pouvoir l'équiper ensuite. D'accord. Ouais, donc du coup, on va pouvoir récupérer aussi des accessoires donc pour les armes, etc. Voilà. Comme j'ai dit, donc voilà, là il s'agit de Payday 2, à savoir que le premier était sorti sur PC uniquement et maintenant sur le PS Store il est disponible. Vous avez déjà Voilà. joué au 1, est-ce que vous pouvez comparer du 1 au 2, quels sont les changements?
J'ai pas énormément joué au 1. Je sais que j'avais été pas mal déçu sur ce qui était graphisme et intelligence artificielle ennemie. Et donc j'avais entendu que celui-là, il avait retravaillé l'intelligence artificielle ennemie. Et ça se voit en fait, parce qu'en fonction d'actions qu'on va faire, la police va réagir différemment en fait, et relativement vite. D'accord, ouais, à ce qui paraît, ouais, parce que comme on nous l'a dit, c'est vraiment orienté multi. Même l'IA dans le mode solo, c'est vraiment, il est limite à chier, quoi. Il nous aide même pas, quoi. Voilà, à la limite, bon, il va nous réanimer, et il va peut-être nous couvrir deux, trois fois, mais il va faire que nous suivre. Par exemple, les sacs d'argent, il va pas en ramasser un seul. Voilà, Il va ouais. pas percer Il y a les plein de coffres petites choses comme aussi. ça. Ouais, c'est ce Voilà, il va que. pas ouvrir les coffres, il va pas regarder les caméras, il va pas faire tout ça. C'est Ouais, assez d'accord. pratique. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que vous m'aviez brièvement expliqué tous les deux pendant que je suis monté brièvement au niveau 8. Bon, je pense qu'on a à peu près cité tout ce qu'il y avait à faire du jeu. Voilà, après, de toute façon, les viewers vont regarder en fonction comment ça se déroule et puis ils vont nous entendre communiquer pendant le jeu. J'ai baissé au maximum le son pour qu'on puisse vraiment voir le côté technique que l'on a dans la discussion pendant le jeu. Donc, Blo, si c'est toi l'hôte, c'est ça? C'est moi, c'est moi, ouais, Ben, c'est moi. tu peux commencer à lancer la partie, on va montrer au fur et à mesure. D'accord. Voilà, ok. Donc c'est parti. Donc c'est une bijouterie, donc à braquer. Ouais, il y a plusieurs zones. Enfin, moi je l'ai fait avec vous vite fait, mais on peut braquer des boîtes de nuit, des bijouteries, il y a plein de choses. Enfin, il y a divers lieux. Il y a plusieurs lieux, ouais. Il y a plusieurs lieux et en fonction de la difficulté, donc ça va changer. Ils vont rajouter soit plus de gardiens, plus de caméras. Et les caméras sont d'une partie à l'autre. Les caméras ne sont pas placées au même endroit. Les vigiles ne font pas les mêmes tours de ronde. Donc tout ça est assez technique en fait. Hein. Ça permet d'avoir une stratégie différente à chaque fois. D'accord, très bien. Et à savoir aussi que tous les contrats sont souvent. Enfin, on peut jouer qu'une fois le contrat, quoi. Et si on est Ah ouais, chaque fou, contrat ça est différent. change. Oui, Chaque oui, on contrat est avait des contrats différents. différent. En fonction de Et notre niveau, on a divers objectifs, oui. voilà. Et pareil, le coffre va toujours changer de position. Ça sera jamais la même disposition. Il y aura beaucoup de civils ou pas beaucoup de civils. Ça dépend, en fait. À chaque fois, D'accord, ça très bien. change. Bon, là, je montrerai vite Voilà. fait aux viewers la composition de notre équipe. Si vous êtes Voilà, prêts, les gars, expliquez-les vous bien pouvez déjà aussi. le lancer. Expliquez-les bien De aussi. toute façon, les autres vont le voir en fonction. D'accord. Bah là, par exemple, tu peux voir dans Bien, en appuyant sur R2, tu vas dans Bien, Ouais. et là, tu as des infos sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va avoir en face de nous, donc au niveau du risque. Donc là, on voit ce risque qu'on va avoir les comment ça s'appelle les mastos, là, les mastodontes, Ouais, les mastodontes. relativement blindés. On va voir, Ouais, par exemple, là, on voit le tu. risque et ce de quoi est composé la map. Je vois commande de Voilà. détecteur de métaux, tout ça, la bijouterie. Voilà. On a diverses informations sur ce qu'on a à faire. Voilà. Et par exemple, là, code volet, ça va servir, par exemple, à verrouiller la sécurité, en fait. D'accord, ok. Donc là, il est verrouillé. Il n'y a que moi qui peux le déverrouiller. Et donc, bah là, je vais le déverrouiller, par exemple, pour qu'on puisse l'avoir. Voilà. Donc, par exemple, là, on a eu le code des volets pour pouvoir les fermer. D'accord, très bien. Donc c'est 11h38. Je te vois, Voilà. Blo, encore pas prêt. T'as un souci de chargement? Ah non, Non, si, non, non, si. c'était juste Autant pour moi. que Ouais, il faut restez des biens. comprendre. Tu as raison. Il est limite plus professionnel que moi, ce type. C'est génial. Bon, alors, ouais, je vais vite fait avec la caméra montrer l'ordinateur ce qu'il fait. Enfin, on le voit marcher dans la rue. Il fout rien du tout. C'est abusé. C'est limite s'il nous laisse en plan. C'est un truc de malade. Mais bon, Va après, venir que quand il y aura du gravier. Voilà, ouais. Oxton. Mais ça reste quand même un bon jeu quand même. Il a eu 18 sur 20 et ça se voit. Oh, je sais pas ce qu'il fout ce mec là. Bon, par où est-ce qu'il faut passer les gars? De toute façon, moi je vous écoute. Je suis novice moi dans ce jeu donc. Ben là, on va pas pouvoir rentrer On par là rentre pas parce tout de qu'il y suite, a ouais. des détecteurs de métaux. Voilà.
Les détecteurs sont là, donc pour l'instant, c'est pas possible. Oui, et Faudrait puis on trouver risque de le. pas passer trop en scred parce que voilà, vous voyez quelqu'un en costard qui a une trousse de médic avec un gilet pare-balles de mastodonte, c'est sûr que ça passe pas trop Bah, inaperçu. pareil, voilà, bah, ça joue beaucoup, tout ce qui est gilet pare-balles et tout ça. Par exemple, tu vois, il y aura dans les armes, il y a Il y a un marqué gilet derrière. visibilité, et Ouais, comme pour d'accord. les gilets, Plus et tu en es haut fonction level, de. plus tu as de chances de te faire opérer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, il va y avoir un vigile Donc là, il y derrière. a des fenêtres avec un vigile. Un vigile derrière là. Faut l'abattre. Donc là, on cherche un Faut endroit l'abattre. pour rentrer le plus simple. Qu'est-ce que tu vas Là, faire, par toi, contre, Funker? Tu vas t'occuper du gardien ou ouais, tu je vais vas faire... m'occuper du gardien là, ouais. Je vais m'occuper de lui, Occupe-toi du comme ça on sera gardien, sûr. ouais. Et Alors, tu réponds aux recule. coquilles. Je vais mettre mon masque. Ah Attends, oui, voilà. voilà, en fait, ouais, ça c'est la phase d'action. Une fois que le joueur met son masque, ça y est, il peut Que sortir dur, que son dur. arme, etc. Vas-y. Attention, attention, il nous a repérés. De toute façon, oui, on va bientôt tous se faire opérer, donc. Ouais, moi je vais Voilà, mettre mon c'est masque ça. aussi de mon côté, de toute façon. Pareil de mon côté. Let's do this. Allez, ben c'est parti. Là, je vais répondre au beeper. Ah. Important de bien répondre au beeper, avoir abattu un garde, sinon ça appelle la police directement en fait. Et là, est-ce qu'on s'est fait découvrir? Non. Voilà, non, là c'est bon. Voilà. Bon, là, les points Fais d'interrogation que gaffe, hein. moi j'ai sur mon écran et que vous voyez, c'est quand les gens ils nous suspectent de quelque chose, Détecte ils ont quelque dit chose. oh putain, je l'ai Voilà. vu. Voilà, c'est quand ils entendent du bruit, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ouais, et Alors, une fois qu'on a c'est le bon police. point d'exclamation, ben, c'est qu'on a été forcément repéré, quoi. On se retrouverait un petit Voilà, peu il y dans a du Metal marqué. Gear Solid, quoi, quand l'ordinateur nous trouve, quoi. C'est l'infiltration, ouais, c'est ça, Bah ouais, c'est ça se ça. peut jouer de deux façons différentes, quoi. Soit la bourrin, tu rentres, tu fais le braquage, soit t'as vraiment la Splinter Cell Bon, je me suis qui. fait détecter, les gars, on est dans la merde. Ok. Bon, ben ça y est, ça va lancer enfin la phase de gameplay. Attention. Bah ouais, ça va être parti. Bon, allez, bah Il y a go. la police dehors. Ouais, non, mais Allez, moi c'est parti, les je vais gars. rentrer directement. Ah oui, bon, je Passe rappelle par aux la gens qu'il fenêtre. faut pas non plus être trop bourrin dans ce jeu, c'est quand même un jeu de tactique à la base. Hein. Donc, c'est pas au plus bourrin qui va l'emporter. Voilà, je vais fermer les rideaux par exemple. Et Je suis con, là, j'aurais pu c'est la péter la parti. vitre, moi, en fait. Ouais, t'aurais pu la Ouais, péter, ouais. non, mais Donc là, voilà, t'es j'ai gentil fait sonner cambrioleur. l'alarme et moi je prends le temps d'ouvrir Bien la vitre. Ah, ben voilà, déjà un sac. joué. Alors, Rouge est un gentil cambrioleur qui prend le temps de Ouais, crocheter dans voilà. le Je suis un pacifiste. Ouais. Alors, on peut vide. demander aux civils de se mettre au sol pour pouvoir après les ligoter. Voilà, ça fait Et des pouvoir otages donc. négocier, en fait, si tu te fais capturer, on peut négocier les otages. Voilà, ouais. On peut demander contre la libération d'un joueur en otage et puis ils feront Par des exemple, rushs dans l'endroit moins gros que si on n'avait aucun otage avec nous. par exemple, le code là que j'ai acheté, c'est pour fermer les rideaux métalliques que j'ai mis là. Ah mais je vois que vous avez déjà tout pris quoi. Oh là là. J'ai pas Ouais, le c'est droit à un avoir ma part du braquage, hein. butin un coup. Bah, là, le souci, c'est qu'il y a l'FBI qui va arriver. Déjà? Ça va être relativement chaud. Ouais, on est en difficulté 6, donc il arrive dès le début. Avec Ok, les ça va boucliers. chier. Tiens, je vais fermer, du coup, ils peuvent moins rentrer, tu vois. Je vois ça. Ah ben, on a un vigile derrière. Hop là. Oh, mon Dieu, ce qu'il a pris. Faut faire gaffe au sac. La perceuse est en route, Sam? Ouais, je vais la mettre en route. Oui, Elle est donc en route, la j'explique, perceuse du voilà. coffre. Il doit percer le coffre et on a même un compte à rebours une fois qu'on a placé la perceuse. Voilà. Là, tu peux Rouge, leur si montrer tu veux là. d'ailleurs pour ta vidéo là, suis-moi pour mettre en route là, derrière De quoi? l'autre perceuse ici. Il y a un coffre. Dis-moi où aller, que je voie. Ah Ici, ouais, je à côté vois. de moi. Donc placer la Voilà. perceuse, ouais. Donc voilà, vous placez la perceuse et on attend que le compte à rebours se finisse. Alors là, on est parti pour empocher combien au minimum pour pouvoir s'échapper. Bah là, pour l'instant, on a déjà empoché 73 700. D'accord. Puis à plus Bon, on ça attaque s'arrête côté et on va bureau aller et ils ont tout mis combien on a dégagé. de la fumigène là. Ça veut dire qu'ils vont passer par là. Ah oui, je rappelle qu'on peut afficher le menu en Les appuyant sur la touche Select in-game. Donc voilà, il n'y a pas de menu pause. On est déjà à 73 700 d'argent récolté. Ouais, et puis ça te dit si tu passes de niveau ou pas, quoi.
selon l'XP que tu gagnes ou Bon pas. après, ouais, voilà, plus on récupère, plus on gagne de l'expérience, etc. Sam, il y a des caméras derrière, si tu veux regarder, il commence à rentrer la vieille. Hein. Ouais, devant, hein. Je me demande si ce flingue, il est si puissant que ça. Parce que je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Oh, mais ça va! Lequel? J'ai acheté je pourrais plus te dire. Je crois que c'est le Colt. Je sais plus. Le bon coup? Je crois. C'est le revolver à 6 coups, on dirait le Colt Python. Ta Il est pas mal, perceuse hein. est rouge, il y a ta perceuse qui est en panne. Autant pour moi, je l'avais pas vu. Donc oui, voilà, la perceuse peut se prendre des tirs. Oui, voilà, après, elle s'affiche sur la carte. Et du coup, il faut qu'on aille la réparer pour qu'elle puisse continuer le perçage. Tout simplement. En moyenne, une mission, peu importe la difficulté, dure combien de temps? Oh, je Ça dirais... dépend combien tu vas Ça en bosser, en dépend. fait. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de limite de temps, mais bon, en moyenne, enfin, je pense, après vous Ah, avoir vu pour jouer la pendant... flash. Oh my god, tout ce monde! Ah oui, d'accord, ok. Et moi, je vais crever, c'est ok. Ah, il y a les tortues qui sont là déjà. Il y a les tortues dehors. Ouais, en moyenne, je pense que ça doit durer un quart d'heure à peu près. Un quart d'heure, même plus Bah, souvent. en fonction de la vitesse de notre extraction et de la vitesse et de ce qu'on décide de prendre. Bah, on peut prendre un sac comme aucun sac et puis repartir avec ce qu'on a là. D'accord. Plus Je on pose en un sac. prend, Je pose le sac pour poser le medikit. Et donc du coup là je vous en ai disposé un les gars. Parce que j'ai pris une belle balle dans la gueule. Voilà. Moi je vais poser à Oh, ouais, non côté mais mon sac de les autres ils sont prédiction. full life, moi je galère comme un boulet depuis le début de la vidéo, c'est génial. Si t'as envie de te faire peur, rouge, tu regardes les caméras qui sont à côté de moi là. Les caméras qui sont à côté Regarde de là. toi. Il y a un Enfin, masto là. dans le. Il y a un Je suis masto, Ah masto. ouais. caméra et ce qui se passe dans la rue. Un masto dedans là. Un masto qui vient d'arriver, c'est génial, ça nous fait un peu d'action. Oh le Ah gros! mais c'est bon, il est mort. Et moi Il je est juste m'acharne sur au-dessus. lui. Je m'acharne sur lui et t'as Sam qui me fait non mais c'est pas ce qu'il Ok, c'est C'est bon. ça. Bon, la perceuse, elle, de son côté, est-ce qu'elle va bien? Ouais, Il ça me va, reste. 4 secondes. Ah, parfait. Elle va s'ouvrir, tu vas pouvoir prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ben, il y a en tout 1000. Bon, ben, j'ai eu 2000 pauvres dolls. Ah, le chemin, c'est pas rentable de nouveau. Et dans l'autre, donc, il y a le diadème qu'on doit voler. Bon, ben, Voilà. évidemment, il est dans le dernier, évidemment. Dans à peu près 35 secondes, là, ça s'ouvre. Ouais, parce que des fois, oui, voilà, enfin, je précise, les flics peuvent faire un rush dans le magasin ou lancer de la lacrymo qui font passer par les conduits d'aération. Enfin, c'est très technique. Hein. Enfin, autant l'intelligence ennemie, ben, elle vous met à rude épreuve, autant l'intelligence alliée, c'est la grosse merde, quoi. C'est un truc de malade. Et ils peuvent nous C'est piquer ça. nos sacs aussi, hein. Ah Ils oui, peuvent c'est prendre vrai, notre oui. sac Ouais. et Si on voilà. pose le sac au sol, ben, ils peuvent le récupérer. C'est génial. Bon, Et allez. là, ça va qu'on a que 3 sacs. Il y a des moments où on peut avoir 8 sacs. Donc on doit faire pas mal d'allers-retours. Ouais, je me rappelle qu'il y avait une mission, je voulais la faire solo. Oh, ben tiens, le fameux diadème que j'avais vu dans les biens. Ok. Ouais, j'avais voulu faire une mission en solo vite fait pour voir ce que ça donnait. Je voulais attaquer une bijouterie, il fallait que je transporte 6 sacs. Et quand les alliés vous aident même pas, oh, c'est même pas la peine, 6 sacs en solo. Ça peut être une mission à 2 étoiles sur 10, c'est pas la peine. C'est un truc de C'est malade. ça. Ah, mais ils nous attendent en plus. Il y a les boucliers qui commencent à arriver, les gars. On va Les juste boucliers anti-émeutes sortir. là? Ouais, Ouais, les boucliers du soir, toi. Je tire, je ne sais pas où, mais je tire! Ah, il arrive, il arrive, il Oh, arrive, mais il est là. boucliers, boucliers. Il est là. Ah oui, on Alors, peut tu peux target marquer le l'ennemi en bouclier. le visant et en appuyant sur la touche R2, si je me souviens bien. Je vais récupérer 2-3 munitions. Tout ce qui va être bouclier et sniper, on peut les marquer. D'accord. Ouais, les snipers sont sur les toits et même pendant un run, ils peuvent vous éclater, c'est un truc. Le bouclier nous fait chier là. On peut pas l'avoir. Il nous fait J'essaye de assez passer sur chier. le flanc. Ah Ah, ben c'est voilà. bon. Bon, Ah, ça reste quand même un nous jeu aide. qui est vraiment assez immersif, mais bon, voilà, après c'est un jeu qui... C'est uniquement le online, quoi, parce qu'en solo, c'est même pas fun de jouer, quoi, enfin. Après, Je comme tu m'as rentre, précisé,
Blogueur, tu m'avais dit, je pense que c'est un jeu au niveau du online qui sera pas lâché de suite comparé à tout ce qui est Call of, etc. Parce que tu m'as dit qu'il y avait un an de DLC qui était déjà prévu pour Payday 2. C'est ça, c'est ce que j'ai lu, oui. Donc, ça sent que 505 Games veut. Enfin, Overkill plutôt, parlons des développeurs, veulent garder le jeu sur le devant de la scène. Mon dieu, il y en a, ça arrive de partout, j'ai l'impression de jouer. Oh, tir au canard, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ce gun est tout simplement génial. Je crois que je suis amoureux de ce flingue. Je mets 20 balles de M4, ça les tue pas. Je fous 2 balles de Magnum, ça les tue. C'est génial. Ah C'est bah il fait super. mal hein. On en est Bon à les gars, combien? qu'est-ce que vous en dites qu'on sorte de là? On Le va y camion aller vient hein, c'est à d'arriver. gauche, le camion vient d'arriver, on peut y Ah aller, c'est à d'ailleurs, gauche. Funker, tu t'as plus beaucoup de vie, non? Ouais, je vais aller me re-soigner là Et avec la voilà, petite vous pause de voyez, médic. grâce à moi, en fait, je Voilà. sers à quelque chose, je peux régénérer mes collègues. Voilà. Merci bien pour Donc ce petit après voilà, une fois qu'on a appel. une limite de sous, on peut y aller, mais on peut continuer à vider autant qu'on veut et le jeu peut durer autant de temps qu'on le désire, quoi. C'est ça. Bon après les gars, vous me dites, hein, moi je fais un peu le tour, Voilà, mais on va y aller, hein. on On a rempli nos sacs, on a tout pris, je pense. bon ben On va alors, pouvoir y aller. eh ben alors on peut aller Quand s'échapper. tu es près du sac, en fait, tu fais pour jeter ton sac dans le camion à l'arrière, pour Ouais, valider justement les billets. je sais qu'il faut le jeter à l'arrière. Oh, le headshot qui s'est pris. Oh, le pauvre, il a rien compris. Ouais, Faut c'est pas comme être les aussi billes. vil, les gars. Non, franchement, c'est vraiment tout est réuni. Autant après, bon, bien sûr, ce n'est pas non plus le meilleur jeu question graphisme, mais bon, ça va, ce n'est pas non plus déplorable. Mais après, niveau immersion, et puis c'est vraiment la tactique qui est vraiment au rendez-vous, quoi. C'est vraiment un jeu qui va Allez, go, vraiment go, go, go. satisfaire toutes les personnes qui recherchent vraiment tout ce qui peut être dans le style de la technique de jeu, où est-ce que le bourrinage n'est pas C'est forcément. obligé derrière toi. Oh là, ouais, ben je me prends d'ailleurs beaucoup de balles, ben je vais revenir en arrière. Oh mon dieu! C'est pour me faire accueillir encore par le FBI, ça sert à rien. Tu C'est peux génial. revenir, reviens, 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 c'est bon, c'est Ouais, non, que mais j'ai je vous suis, je bugué. vous suis. Non, mais il y a un bouclier juste derrière vous, en fait, les gars. Oh mon dieu, je vais crever. Ah, ben je suis mort. C'est génial. Ça arrive, on arrive, on arrive. On laisse Arrière, t'inquiète personne. pas. Merci. En train de manger, mais ça va. Reprends ton sac, reprends ton sac. Il est où le sac? Il est Ah ouais, il est là-bas, là. là où tu vas. Allez, prends-le, ton sac! Je sais qu'on peut s'enfuir en courant d'ailleurs. Go! Bon allez, on jette le sac dans le. Voilà. Bon, je rentre de suite dans la fourgonnette. Hein. Donc voilà, une fois que tous les joueurs sont là, Voilà. il faut activer le mode fuite et on termine la mission et après on regarde tout ce qu'on a récolté. C'est ça. Donc là, je vais enfin pouvoir montrer après à ceux qui regardent la vidéo les fameuses cartes que l'on peut piocher à la fin. Mais en tout cas, voilà, bon, ça a été une bonne C'est mission, bon? si j'ai un petit peu fait le Oui. boulet quand même pendant la mission. Voilà, donc normalement, tu as On a gagné gagné. quand même 72 900 dollars. Voilà. C'est quand même, c'est tout à fait acceptable. Et puis en plus je Ah, level up, c'est si c'est pas beau ça. Voilà. Un peu Magnifique. plus de, allez, 18 000 XP quand même, hein. Ouais. XP C'est pas reçu, mal. 3 907 pour moi. Voilà. Alors après Après, tu voilà, on peux porter récolte de ça dans l'argent pour nous l'équipe, permettre que d'acheter tu peux des voir armes, aussi. nous améliorer, enfin voilà, c'est vraiment un jeu de gestion, c'est super, franchement j'adore. Gros coup de cœur pour ce C'est jeu. ça. On passe aux cartes, donc. Alors, le Voilà moment les des fameuses cartes, on cartes. choisit une des trois cartes. La première. Savoir qu'il y a un joker, une carte rouge que j'ai toujours pas eu. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai? Bon, mais T'as des une couleurs pour le couleur si masque. j'ai un masque. Ah bah t'as mon masque, blogueur. Oh Non, j'ai purée, pas ben un voilà, nouveau Blo masque. qui a un masque, c'est Voilà. génial. C'est ça. Bon, ben c'est super. Bon, mais je pense qu'on a à peu près, bon, pas forcément tout montré parce qu'il y a diverses zones dans ce jeu, mais l'essentiel Oui. de Payday 2 quand même est présenté. Le mode immersion, moi, déjà. Voilà. Bon, mais écoutez les gars, la mission fut certes, bon, ça va, d'une durée plus qu'acceptable, mais je vous remercie en tout cas d'avoir fait cette vidéo avec moi.
Mais de rien. Avec plaisir, hein. Bon. Eh bien, ouais, ok, bon, j'ai toujours pas autant la classe comparé à vos deux persos qui sont armés jusqu'aux dents, mais bon, c'est pas grave. Bon, encore une fois, merci à toi Funker, merci à toi Blogor. Merci à toi. Merci à Bon, toi. eh bien, écoutez, c'était donc ma vidéo de présentation de Payday 2, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à tous à très bientôt, je vous donne rendez-vous pour une de mes prochaines vidéos. Ciao tout le monde!